Je vais parler rapidement sur le thème suivant, les secrets de la multiplication financière. Le livre de la Genèse, le chapitre 1, le verset 28, il est écrit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominer sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus notre objectif ce soir est de comprendre ce qu'il faut pour multiplier les ressources ce que cela implique la saison dans laquelle nous sommes est une période très critique nous devons donc comprendre ce qu'il faut faire pour multiplier nos ressources D'après le passage que nous venons de lire, la multiplication est l'ordre de Dieu et tout ce qui est de Dieu croit et augmente. La Bible déclare que lorsque les hommes sont abattus, on peut dire qu'il y a un relèvement et je crois qu'un relèvement arrive pour quelqu'un au nom de Jésus. En guise d'introduction, je tiens à dire trois choses. Premièrement, la multiplication est l'ordre de Dieu. Toujours dans le même passage, Dieu les a bénis et leur a donné d'être féconds et de multiplier. Et dans le livre de Jérémie, le chapitre 30, les versets 17 à 19, dans la version King James, il est écrit, Du milieu d'eux sortiront des actions de grâce et la voix de ceux qui se réjouissent. Et il multipliera afin qu'ils ne soient pas peu nombreux. Je les glorifierai afin qu'ils ne soient pas petits. La multiplication est l'ordre de Dieu. Deuxièmement, tout ce qui est de Dieu croit et augmente. Tout ce qui est de Dieu croit et augmente. Il est dit dans le livre des Proverbes, le chapitre 4, le verset 18, dans la version King James. Il est écrit que le chemin des justes est une lumière éclatante, resplendissante, qui brille de plus en plus jusqu'à la perfection. Dans le livre des Psaumes, le chapitre 84, le verset 7, la Bible déclare qu'ils vont de force en force, chacun d'eux apparaissant devant le Seigneur à Sion. Troisièmement, l'existence dans le domaine de l'augmentation ou de la croissance est le plan parfait de Dieu pour son peuple. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 26, le verset 22, Isaac a rencontré des Philistins chaque fois qu'il creusait un puits, et chaque fois qu'il lui cherchait querelle, il en creusait un autre, et ainsi de suite. Il a appelé le dernier puits Réobot, en disant que le Seigneur nous a élargis et nous serons féconds dans le pays. L'existence dans le domaine de l'augmentation ou de la croissance est le plan parfait de Dieu pour son peuple. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que ce n'est pas le plan de Dieu de passer de l'augmentation à la diminution, de la croissance à la chute, de la percée à la pénurie. Si vous avez expérimenté une augmentation ou une croissance, vous n'êtes pas autorisé, vous n'êtes pas destiné à être victime de la famine. L'augmentation d'aujourd'hui est conçue pour faire face à la famine de demain. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Sept années de croissance ont été suivies par sept années de pénurie. Joseph a planifié cette croissance pour prévenir la famine. Donc, si vous avez expérimenté une augmentation ou une croissance, vous n'êtes pas autorisé, vous n'êtes pas destiné à être victime de la famine. Beaucoup d'entre nous ont mal géré leur percée d'hier et sont devenus des victimes de la crise d'aujourd'hui. Je vais dire des choses qui peuvent sembler très douloureuses, mais qui sont vraies. Le fils prodigue avant tout. Son père l'avait établi pour demeurer dans la stabilité jusqu'à ce qu'il parte. La Bible raconte qu'il a gaspillé sa substance dans une vie de débauche dans le livre de Luc le chapitre 15. Si nous lisons à partir des versets 13, 14 et 15 dans la version King James, nous pouvons lire. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service de l'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Et il a commencé à mendier pour avoir la nourriture des pourceaux. Que cela ne soit jamais votre portion au nom de Jésus. Si vous dites Amen, dites-le fort. Dieu va vous élever à un niveau d'augmentation, de croissance, et de là vous y resterez pour le reste de votre vie. Dites plus fort « Amen ». Quels sont donc les secrets de la multiplication pour aller d'augmentation en augmentation et y demeurer Premièrement, posséder une vision. Et je parle d'une vision d'augmentation, d'une vision pour croître, une vision d'abondance. Posséder une vision. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 13, le verset 14, le Seigneur dit à Abraham « après la séparation avec Lot, lève maintenant les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. L'étendue de votre vision détermine l'étendue de vos provisions. Possédez une vision. La Bible... Dans le livre des Proverbes, le chapitre 23, le verset 7, dans la version King James, il est écrit, Car il est comme les pensées de son cœur. Dans le livre des Proverbes, le chapitre 21, le verset 5, il est écrit, Les pensées de l'homme diligent ne tendent qu'à l'abondance, mais tout homme hâtif n'aboutit qu'à la disette. Tout homme hâtif n'aboutit qu'à la disette. Lorsqu'il reçoit l'argent, la première chose à laquelle il pense, c'est d'avoir un nouveau vêtement, un téléphone, dernier cri, une nouvelle voiture. Il agit dans la hâte. Possédez une vision. Et quand je dis possédez une vision, que votre vision aille au-delà de la simple survie. Ne laissez pas vos pensées aller seulement vers une nouvelle voiture, une nouvelle maison, des nouvelles robes. J'aimerais que vous pensiez en termes de génération. Comment vous pouvez éliminer la situation de chômage de 4000 personnes? Comment vous pouvez éradiquer le chômage en disant Seigneur, je cherche de l'argent, non pas parce que je veux seulement être appelé milliardaire, mais je veux créer des usines et des industries qui emploieront des gens? Ne soyez pas comme Esaou qui a mangé son futur. Lorsque vous obtiendrez 100 millions, ne les gaspillez pas jusqu'à ce que tout soit épuisé, et pour ensuite compter sur un autre contrat pour avoir plus d'argent. Quel gaspillage de vie Non, ne gaspillez pas votre vie de la sorte, ne gaspillez pas votre vie de cette façon. J'aimerais que vous décidiez aujourd'hui de vivre avec une vision. Quand vous n'avez pas de vision pour votre vie, vous allez courir la course des autres. Vous allez courir pour les autres. Ce que les gens vont déterminer, c'est ce que vous allez faire. Vous allez par exemple vous dire, un tel a mis ses enfants dans une école internationale américaine. Je dois me tuer jusqu'à ce que je puisse y mettre mes enfants également. Même si les frais de scolarité sont de 5000 ou 10 000 dollars. Possédez une vision. C'était le point numéro un. Numéro deux. Soyez reconnaissants. Seuls les grands fous ne sont pas reconnaissants. La reconnaissance entraîne la multiplication. Du milieu d'eux sortiront des actions de grâce et la voix de ceux qui se réjouissent, et je les multiplierai, afin qu'ils ne soient pas peu nombreux. Je les glorifierai, afin qu'ils ne soient pas petits. D'après le livre de Jérémie, le chapitre 30, le verset 19 que nous avons lu précédemment. Dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 6, le verset 11, il est écrit, Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Le pain et le poisson se sont multipliés parce qu'il a rendu grâce. Soyez reconnaissants. Vous n'êtes peut-être pas là où vous vouliez être mais vous n'êtes plus là où vous étiez hier. Soyez donc reconnaissants. Le livre de l'Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 4, il est écrit. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Lorsque votre salaire arrive, ne murmurez pas en disant que vous n'allez pas pouvoir vivre avec une telle somme. Avec de telles déclarations, vous avez déjà tué le potentiel de la somme à être multipliée par le Seigneur. Les murmures maintiennent les luttes, les difficultés, les calamités. La première épître aux Corinthiens, le chapitre 10, le verset 10, il est écrit, Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Les murmures attirent l'exterminateur. Les murmures apportent la destruction. Ils maintiennent les luttes. Toute personne qui murmure va demeurer dans les difficultés. Je suis en train de vous dire ce que j'ai expérimenté dans ma vie. La reconnaissance apporte la multiplication. Troisième point, évitez l'emprunt. Si vous voulez atteindre le niveau où Dieu veut que vous soyez, éviter l'emprunt. Le livre des Proverbes, le chapitre 22, le verset 7, il est écrit dans la version King James. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Le livre des Deutéronomes, le chapitre 15, le verset 6. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni comme il te l'a promis. Tu prêteras à de nombreuses nations, mais tu n'emprunteras pas tu régneras sur de nombreuses nations, mais elles ne régneront pas sur toi. Que quelqu'un dise Amen fort. C'est à la fois une prophétie et un commandement. L'épître aux Romains, le chapitre 13, le verset 8, il est écrit Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime autrui a accompli la loi. Ce qui signifie que la seule chose que vous devez aux autres, c'est l'amour. Pourquoi Dieu nous recommande de ne pas emprunter Je vais vous donner six ou sept raisons pour lesquelles l'emprunt doit être évité. Première raison, la mentalité de l'emprunt est une mentalité de pénurie. Vous allez penser pénurie avant de penser à emprunter. La mentalité de l'emprunt est une mentalité de pénurie. Et écoutez bien ceci. La mentalité détermine la réalité. Le livre des Proverbes, le chapitre 23, le verset 7, il est écrit, Il est comme les pensées de son cœur. Donc la mentalité de l'emprunt produira la réalité de la pénurie. Si votre esprit est fixé sur l'emprunt, ou si chaque fois que vous êtes dans le besoin, la première chose qui vous vient à l'esprit est d'emprunter, vous ne sortirez jamais de la pénurie. Vous y resterez parce que votre mentalité a établi votre réalité. Il y a des gens qui sont tellement accros à l'emprunt qu'ils emprunteront même ce dont ils n'ont pas besoin. Les gens sont si drôles. Ils empruntent de l'argent dont ils n'ont pas besoin pour impressionner les gens qu'ils n'aiment pas. Donc leur volonté de rester au top devient leur chute. Deuxième raison. L'acte d'emprunter établit une servitude financière. Cela signifie que vous avez accepté d'être un serviteur financièrement. Parce que l'emprunteur est le serviteur du prêteur. D'après le livre des Proverbes, le chapitre 22, le verset 7. Cela établit une servitude financière. Vous êtes devenu un serviteur de quelqu'un qui est plus jeune que vous. Et vous allez vous adresser à lui avec un respect exagéré. Oui, monsieur, oui, monsieur, parce qu'il vous a prêté de l'argent. Troisième raison, l'emprunt est une opération anti-alliance qui frustre le fonctionnement de l'alliance. Parce qu'il est stipulé dans l'alliance que vous devez prêter et non emprunter, que vous devez donner et non mendier. C'est donc une opération anti-alliance. Voici ce que cela signifie. Vous donnez vos dîmes, vous donnez également des libéralités, vous servez le Seigneur, mais si vous êtes aussi un mendiant et un emprunteur, cela revient à additionner plus un moins un. Donc l'effet de vos dons sera annulé par votre action, parce que l'emprunt est à la recherche de sources alternatives d'approvisionnement autres que votre fournisseur. C'est comme si vous étiez en train d'appuyer sur l'accélérateur et en même temps sur le frein. Vous voulez avancer et en même temps vous faites des choses qui empêchent votre mouvement. Aucun démon ne pourra vous attaquer si vous respectez les principes. Je déclare aujourd'hui que tout désir d'emprunter est détruit au nom de Jésus. Quatrième raison, l'emprunt est une forme de rébellion spirituelle et de désobéissance. Selon le livre de Deutéronome, le chapitre 15, le verset 6, il est écrit ⁇ Tu n'emprunteras pas ⁇ Et l'épître aux Romains, le chapitre 13, le verset 8, il est écrit ⁇ Ne devez rien à personne sauf de l'amour ⁇ Ce n'est pas simplement une action, c'est un acte de rébellion spirituelle, et quelle en est la conséquence Les rebelles résident toujours dans une terre aride. Selon le livre des Psaumes, le chapitre 68, le verset 6, il est donc écrit, Dieu place les solitaires dans des familles, il libère ceux qui sont enchaînés, mais les rebelles demeurent dans une terre sèche. Donc jouir d'une vie de dette, c'est vivre dans la sécheresse. Cinquième raison, emprunter vide les bénéfices de l'avenir dans le présent, cela détruit l'avenir. Qu'est-ce que cela signifie Lorsque vous dépensez de l'argent qui n'est pas encore entre vos mains, vous détruisez le futur. Ce qui appartient au lendemain, vous le dépensez aujourd'hui, et lorsque le lendemain arrive, vous l'avez déjà vidé. C'est ce qui est arrivé à la veuve du prophète dans le deuxième livre des rois, le chapitre 4, les versets 1 à 3. Le prophète a hypothéqué son avenir pour satisfaire ses dettes. Il a donné ses enfants comme esclaves pour rembourser ses créanciers. Son avenir était engagé pour la satisfaction du présent jusqu'à ce que Élisée vienne à sa rescousse. Cela vide votre futur. Beaucoup de gens finissent leur futur avant que le présent n'arrive. Ils mangent aujourd'hui la nourriture qui était destinée au lendemain. Certains ont mangé le futur de tout un pays. Ils empruntent tout en laissant les autres souffrir. Sixième raison, l'emprunt détruit la joie de la moisson, il ruine la joie du salaire, la joie des revenus. Vous allez par exemple recevoir un salaire de 150 000, mais vous ne serez pas heureux parce que les cent vingt-cinq mille ne vous appartiennent pas, cela détruit donc la joie du revenu, la joie du salaire que vous percevez. Vous savez que l'argent arrive, mais vous n'êtes pas enthousiaste. cela ne change pas votre humeur. Et enfin, dernière raison: l'emprunt attire la honte, le reproche, la disgrâce, parce que l'emprunteur devient le serviteur du prêteur. Cela attire la honte, le reproche. La personne qui n'est pas censée vous parler de manière désinvolte en temps normal, vous parlera sans retenue. Il était plus gentil lorsqu'il prêtait de l'argent, mais il va devenir méchant. Les banques fonctionnent également de cette manière. En tant que client, ils vont être très aimables pour chercher à vous attirer, mais dès que vous rencontrez des problèmes, ils vont commencer à vous écrire des lettres d'avertissement. Avant même que vous vous rendiez compte, ils vont vous traîner en justice et saisir votre maison. Vous leur devez 100 millions. Votre maison vaut 200 millions, mais ils vont quand même la prendre. Levez votre main droite et dites au nom de Jésus. Je reçois la grâce d'éviter un tel style de vie. Au nom de Jésus, je reçois cette grâce maintenant au nom de Jésus-Christ. C'était donc le troisième grand point. Éviter d'emprunter. Quatrième grand point. Éviter le gaspillage. Dépenser en gaspillant est le chemin de la pauvreté et de la honte. L'Évangile selon Luc, le chapitre 15, les versets 3 à 15 nous parle de l'histoire du Fils prodigue. Le livre des Proverbes, quant à lui, au chapitre 18, le verset 9, dans la version King James, nous dit que celui qui est paresseux dans son travail est le frère de celui qui gaspille. Prenez note de ce qui suit concernant le gaspillage. Premièrement, là où il y a du gaspillage, l'argent s'enfuit rapidement. L'argent fuit les mains du gaspilleur. C'est ce qui s'est passé pour le Fils prodigue. Il a gaspillé, dissipé, dilapidé ses biens. La Bible a utilisé le mot gaspillage. Il a gaspillé sa vie dans une vie de débauche. Il a tout gaspillé jusqu'à ce que l'argent la fuit. L'argent est pressé de partir là où il y a du gaspillage. L'argent est pressé. Deuxièmement, Dieu ne peut jamais confier ou bénir le gaspilleur. Il ne serait pas en mesure de confier ou de bénir le gaspilleur. Lorsqu'il voit un homme dont la vie n'est que gaspillage, il ne peut pas lui faire confiance. La pluie ne tombe que pour les cultivateurs. Vous me demanderez certainement, mais pourquoi dites-vous cela, pasteur Le livre de la Genèse, le chapitre 2, le verset 5, il est écrit, Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel, Dieu, n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Pourquoi Parce qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Donc Dieu ne bénit que les semeurs, il bénit les cultivateurs, mais il ne bénira jamais un gaspilleur, il ne confiera jamais rien au gaspilleur. Troisièmement, la pauvreté est la destinée du gaspilleur. La pauvreté est la destinée du gaspilleur. Vous savez pourquoi le livre des Proverbes, le chapitre 18, le verset 9, dans la version King James, il est écrit, Il est dit que quiconque est paresseux dans son travail est le frère de celui qui gaspille. Cela signifie que la même mère a donné naissance aux paresseux et aux gaspilleurs. Ils ont donc pris le même train. Partout où le paresseux finira, c'est-à-dire dans la pauvreté, c'est là que le gaspilleur finira également. Leur destination est la même. Que ce soit celui qui a beaucoup d'argent aujourd'hui et qui le gaspille, ou celui qui dort de 18 heures jusqu'à 6 heures du matin, malgré la veillée commande ta journée que l'on organise à l'église. Cela ne sera jamais votre part au nom précieux de Jésus. Regardons les Écritures dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 6, le verset 13. Jésus a demandé aux disciples de rassembler les morceaux qui sont restés après la distribution, et ils ont rassemblé les morceaux. Nous sommes d'accord Et au verset 12, il est écrit, Quand ils furent rassasiés, il dit à ses disciples de ramasser les morceaux qui restaient, afin que rien ne soit perdu. Et quand ils les eurent rassemblés, il y avait douze paniers. C'était douze paniers, douze paniers. Ils ont commencé tout d'abord avec seulement cinq pains et deux poissons, qui ont nourri cinq mille personnes. Ensuite, ils ont ramassé les petits, les petits morceaux sur le sol, ils les ont rassemblés, panier un, panier deux, panier trois, panier douze. Voici le sens de ce passage. À l'intérieur du gaspillage se trouve votre richesse. La richesse est cachée à l'intérieur du gaspillage. Savez-vous qu'il y a une jeune femme qui transforme des pneus en meubles actuellement Oui, des meubles. Elle ramasse ce qu'elle n'a pas acheté pour faire des millions. Si ce pays fonctionnait bien, ce serait l'un des meilleurs pays sur Terre. Nous avons tout en abondance, de bonnes personnes en abondance, mais également de mauvaises personnes en abondance, et qui ont une intelligence diabolique pour la fraude sur Internet. Mais je crois que ceux d'entre nous qui sont bons sont plus nombreux que ceux qui sont mauvais. Dites Amen. Donc, le quatrième grand point était de ne pas dépenser de manière insouciante. Et ne gardez pas ce dont vous n'avez pas besoin. C'est du gaspillage. Ne gardez pas ce dont vous n'avez pas besoin. C'est du gaspillage. Ne gardez pas ce dont vous n'avez pas besoin. Maintenant, le cinquième grand point est maintenez un grenier. Le grenier est appelé la réserve en termes économiques et comptables, la réserve stratégique. Mais c'est également scripturaire dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28, le verset 8. Il est écrit, Que le Seigneur ordonnera à la bénédiction de te suivre dans tes greniers et dans tout le travail de tes mains et il te bénira dans la terre que le Seigneur ton Dieu te donnera ainsi que tes greniers dans le livre des proverbes le chapitre 21 le verset 20 il mentionne quelque chose de similaire à nouveau il écrit dans la version King James il y a un trésor à désirer et de l'huile dans la demeure des sages mais un homme insensé dépense tout il dépense un homme insensé le dépense. Il y a un trésor à désirer et de l'huile dans la demeure des sages. La différence entre certains des pays du tiers-monde et les nations hautement développées est la force de leur économie et la force de leurs réserves stratégiques. Quelqu'un parlait de Singapour l'autre jour et il a dit comment ils ont constitué une réserve. Je ne me souviens pas du montant en milliards ou en millions de dollars. Et ils ont, ont fait une loi dans leur parlement selon laquelle aucun président entrant n'est autorisé à dépenser la réserve. Puis ils sont arrivés au point où ils ont dit qu'une telle loi n'était pas suffisante à cause de l'inflation et de la dévaluation qui se produit. Et ils ont décidé que la réserve devait à présent être réinvestie pour apporter des rendements. Donc tout gouvernement au pouvoir doit gagner l'argent qu'il veut dépenser. C'était leur loi. Vous ne dépenserez pas ce que nous avons économisé hier, et vous n'emprunterez pas pour dépenser. Générez l'argent dont vous avez besoin pour dépenser. Il y a de nombreuses années, quand nous sommes allés dans ce pays, ils nous ont montré des grands immeubles qui étaient vides en masse. Nous avons demandé à l'un d'eux Qu'est-ce que c'était Il a répondu que c'était des immeubles destinés à leurs enfants qui n'étaient pas encore nés. Donc ils ont déjà construit leur logement, et ce, des enfants qui ne sont pas encore nés. Laissez-moi vous montrer trois choses à propos du grenier. Je suis sûr que vous vous souvenez de ce qui s'est passé en Égypte dans les jours d'abondance. C'est ce que Joseph a utilisé dans le livre de la Genèse. Le chapitre 41, les versets 34 à 36. Il est dit Que Pharaon fasse ceci, et qu'il nomme des officiers sur le pays pour prélever la cinquième partie des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance qu'il rassemble toute la nourriture de ces bonnes années à venir, et qu'il amasse du blé sous l'autorité de Pharaon pour en faire des réserves dans les villes afin d'avoir des provisions disponibles pour les jours difficiles. Le résumé de ceci est de ne pas tout dépenser maintenant. Quel est le principe de cela Car il peut y avoir des personnes ici présentes qui se disent ⁇ Mais ce que j'ai n'est même pas suffisant pour mes dépenses propres ⁇ et vous me parlez de ne pas tout dépenser. Et c'est comme si vous me demandiez de faire un don alors que je n'ai rien à manger. Certaines personnes disent, je cherche 15 000 et j'ai obtenu 10 000, et vous me demandez de mettre quelque chose de côté alors qu'il me faut 5 000 de plus. Je vais vous donner le principe. Il y a trois choses que vous devez savoir. Premièrement, la réserve est un principe de foi. C'est un principe de foi qui dit que j'aurai toujours plus que suffisamment. Vous n'êtes pas encore arrivé à un certain niveau, mais c'est un principe de foi qui dit qu'il y aura toujours quelque chose à mettre de côté. Même si vous n'êtes pas dans la situation où vous avez assez pour mettre de côté, vous commencez à mettre quelque chose de côté même si c'était un franc. À présent, L'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, le verset 1 nous dit. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, en substance, vous êtes en train de dire que j'espère qu'un jour viendra où j'aurai suffisamment au point où je ne pourrai pas tout manger. J'aurai toujours quelque chose à mettre de côté. Je n'ai pas encore vu ce niveau, mais je commence au niveau où je suis. Est-ce que je communique Et chaque fois que Dieu voit la foi, il agit. L'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, le verset 6, nous dit ⁇ Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc c'est un principe de foi. Deuxièmement, le grenier attire la bénédiction de Dieu. Une autre façon de le dire est la suivante: La bénédiction de Dieu est à la recherche du grenier. Le livre de Deutéronome, le chapitre 28, le verset 8, dans la version King James nous dit: L'Éternel ordonnera que la bénédiction soit avec toi dans tes greniers. Donc, disons-le de cette manière: Lorsque vous avez décidé de ne pas tout dépenser, vous allez commencer à attirer la bénédiction de Dieu dans votre vie parce que Dieu vous voit comme un serviteur sage qui n'est pas un gaspilleur. Troisièmement, la maison de réserve est un principe de sagesse qui garantit le profit. La Bible dit, dans le livre de l'Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 10, La sagesse est une source de profit pour ceux qui la possèdent. C'est une sagesse qui dit que je ne suis pas une personne qui dépense tout, et cela vous apportera du profit à la fin. Enfin, la maison de réserve existe comme un aimant de ressources. Si vous lisez l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 25, les versets 24 à 29, il est écrit, Donnez ce talent au serviteur sage, retirez-le de celui qui n'est pas sage, donnez-le à l'autre qui sait comment le multiplier. Permettez-moi de dire ceci, et je veux que vous ne l'oubliez pas. L'argent voyage dans la direction de l'argent. L'argent cherchera toujours à trouver là où se trouve l'argent. C'est scripturaire. Donnez ce talent à celui qui sait comment le multiplier, et retirez-le à celui qui n'est pas sage pour le donner à celui qui sait comment le rendre abondant. C'est pourquoi l'on dit que les riches deviennent plus riches. Et les pauvres deviennent plus pauvres. Et je ne parle pas ici des riches corrompus. Je ne parle pas des richesses frauduleuses. Je parle de personnes véritablement guidées par des principes. Il y a des choses qu'ils font que les pauvres ne savent pas faire. Un vrai riche, avant de le voir porter une paire de chaussures qui coûte cent mille, il aura au moins entre 1 et 10 millions quelque part qu'il a en réserve. Le pauvre, quant à lui, s'il si a cent dix mille, il achètera une paire de chaussures à cent mille. Ce comportement le maintient dans la pauvreté. Il pense qu'il brille et s'habille bien, mais faire des chichis ne le conduira nulle part. Il y a des jeunes qui posent et marchent sur la route comme ceci. Marchent sur la route comme ceci, avec des iPhones qui sont plus grands que leur taille. S'il renverse la marchandise d'une petite fille qui vend des arachides sur la route, et qu'on lui demande de payer la marchandise, il sera incapable de payer, et pourtant il fait le mec, il fait le mec, il marche en se balançant. Certaines personnes pourraient se dire que le principe de la réserve peut ne pas avoir de sens économique ou comptable, surtout en période d'inflation. Donc si je mets de l'argent dans un compte épargne ou le mets ici ou là, le taux d'inflation sera même plus élevé que le taux d'intérêt dont je pourrais bénéficier. Écoutez ceci. Tout d'abord, c'est mieux de le garder quelque part au lieu de le gaspiller ou de le laisser dormir. Ensuite, si l'endroit où vous souhaitez le conserver est un lieu de multiplication, c'est encore mieux. Et je ne parle pas ici de toutes ces combines magiques où il vous demande d'apporter une certaine somme qui va se multiplier sous deux jours. Tout ce qui est trop beau pour être vrai est souvent du mensonge. Je parle d'endroits authentiques où l'argent peut se multiplier. Au lieu de le laisser dormir et le gaspiller, il est préférable de le placer quelque part où s'il y a quelque chose qui rentre, vous pouvez le faire fructifier ou le faire croître que quelqu'un dit fort Amen. Combien d'entre vous pensent que ce genre de choses doit être enseigné à l'église? Parce qu'il y a tellement de gens qui disent Je donne la dîme, je donne des offrandes, et ils accusent Dieu. Et Dieu dit Je ne suis pas à blâmer. Il y a des choses que vous faites qui sont bonnes, mais il y a beaucoup de choses que vous faites de travers. Et ces choses de travers annulent les bonnes choses. Il est donc important que nous apprenions cela. Donc, le cinquième grand point était de maintenir un grenier. Maintenant, passons au sixième grand point pour clôturer. Le grand point numéro 6. Concentrez-vous sur l'investissement et non sur les dépenses. Lorsque nous parlons d'éviter le gaspillage, nous en parlons partiellement. Ne permettez pas que le but de posséder de l'argent devienne ce que vous allez acheter ou comment le dépenser. Le deuxième livre des rois, le chapitre 4, les versets 3 à 4, nous dit ⁇ La veuve du prophète lui a dit d'aller emprunter des vases ⁇ Quelqu'un me dira peut-être ⁇ Mais pasteur, vous nous avez dit de ne pas emprunter ⁇ Non, ce n'est pas ce genre d'emprunt dont on parle. Il n'est pas écrit ⁇ va emprunter de l'argent ou de l'huile ⁇ non. Ce n'était pas de l'huile qu'elle devait, mais des récipients, des vases dans lesquelles elle allait multiplier le trésor. Est-ce que je communique C'était des récipients, des vases pour multiplier le trésor. En quelque sorte, le prophète lui a dit ceci, Va chercher une plateforme pour multiplier ce que tu as. Et elle est allée la chercher et la multiplier, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus multiplier, car il n'y avait plus de récipients, et l'huile s'est arrêtée. C'est le principe de Dieu. À présent, lisons ce passage en entier, et je pense que je vais conclure là-dessus. L'évangile selon Matthieu, le chapitre 25, le verset 24. Vous vous souvenez de l'histoire des talents où Jésus a donné cinq talents à l'un, trois talents à l'autre, et deux talents à un autre. Celui qui avait trois talents les a multipliés pour en avoir cinq, et celui qui avait cinq talents les a multipliés pour en avoir dix. Mais il y a celui qui avait un talent. Regardez ce qu'il dit. Ensuite, celui qui avait reçu un talent vint et dit Seigneur, je savais que tu es un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé et recueillant où tu n'as pas vanné. Il était en train d'insulter le maître. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici ce qui est à toi. Son seigneur lui répondit serviteur méchant et paresseux. Cela signifie que tu es à la fois méchant et paresseux. Quelle combinaison! Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je recueille où je n'ai pas vanné. Il fallait donc que tu remettes mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais reçu mon argent avec des intérêts. Prenez donc le talent qu'il possède et donnez-le à celui qui a dix talents. Est-ce que cela justifie ce que j'ai dit plus tôt? Car à celui qui a plus, on donnera davantage. Celui qui possède la sagesse de la multiplication recevra plus et sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, à celui qui manque de la sagesse, de l'investissement et de la multiplication, même ce qu'il a lui sera enlevé. Cela n'explique-t-il pas pourquoi certaines personnes n'expérimentent jamais rien J'ai entendu de très grands témoignages des témoignages formidables. Certains disaient J'ai décroché un contrat de cent millions, puis d'autres un contrat de dix millions. Après cela, ils deviennent le Père Noël. Il y a un niveau de générosité qui est bon, mais il y a quelque chose que j'appelle la générosité de la folie, qui ressemble à la bonté d'un fou. Et qui dit ceci? Prenez mon costume, prenez mes chaussures, parce que quelque chose ne va pas dans sa tête. Et ensuite il va ajouter, Et si je vous donnais mon pantalon, c'est faire preuve de folie. N'avez-vous jamais vu des gens qui empruntent même pour donner D'autres personnes lorsqu'ils reçoivent de l'argent, tant que cet argent ne disparaît pas, ils n'auront pas la paix. S'il leur reste vingt millions à la banque, ils vont commencer à distribuer 5 millions par ici, dépenser 15 millions par là pour acheter une voiture, jusqu'à ce que l'argent se termine. Puis, c'est à ce moment que leurs yeux vont s'ouvrir. Trois jours plus tard, ils vont chercher de l'argent pour le carburant de la même voiture. Il a fait ce qu'on appelle dans notre langue vernaculaire, il a tué l'argent. Que cela ne devienne jamais votre destinée. Veuillez noter trois choses concernant l'investissement. Premièrement, Dieu préconise l'investissement comme indiqué dans le passage que nous avons lu. Il le recommande. Cela signifie ⁇ Placez l'argent que je vous donne quelque part pour qu'il se multiplie. ⁇ Deuxièmement, Dieu déteste le gaspillage. Et lorsque nous parlons de gaspillage, nous ne parlons pas seulement de dépenses excessives, mais de laisser simplement l'argent là sans l'engager de manière rentable engager les ressources de manière rentable. Et troisièmement, ce qui est très important, Dieu bénit l'investissement. Il bénit la mentalité d'investissement. C'est pourquoi il a ordonné que l'on donne davantage à l'homme qui a multiplié ses talents et qui avait à présent dix talents. Le Fils de Dieu qui a une mentalité d'investissement obtiendra plus de résultats que celui qui a une mentalité de maintenance. Certaines personnes pourraient se demander, quel devrait être mon domaine d'investissement Cela sera enseigné un autre jour, car vous devez savoir où placer votre argent. Mais l'une des choses à savoir est que chaque domaine est le domaine de votre passion, c'est le domaine de votre portion. Toute zone où vous voulez apporter des solutions, donner des réponses dans un domaine particulier comme Joseph, comme Mardoché, comme Néhémie, c'est là que vous verrez probablement des retours sur investissement. Après avoir fait tout cela, le septième grand point, qui est plus comme une conclusion, est de maintenir un ciel ouvert. Assurez-vous de fonctionner sous un ciel ouvert. Lorsque les ressources commencent à augmenter, n'oubliez pas la dîme et les offrandes. Ne parvenez pas au point où lorsque vous allez réaliser un profit de 10 milliards et votre dîme atteindra la somme d'un milliard, commencez à penser que c'est trop. Ne parvenez pas à ce point, car la voie par laquelle vous êtes entré est la voie qui va continuer à vous faire aller de l'avant. Ce qui vous a amené là, est ce qui vous y maintiendra. Il vous propulsera vers l'avant. N'oubliez pas cela. Il y a des gens qui sont riches de manière transgénérationnelle, c'est-à-dire de génération en génération, de parents à enfants, et aux enfants des enfants. C'est ainsi que la richesse de l'alliance est transmise. Il y a ceux dont nous entendons parler aujourd'hui, des millionnaires dans ce pays, propriétaires d'aéronefs commerciaux et autres. Certains sont encore en vie, mais on n'entend plus parler d'eux et d'autres sont décédés. Les enfants sont en vie, mais leur richesse n'a pas vraiment duré, parce que la richesse de l'alliance est la seule richesse qui peut garantir l'avenir. N'importe qui peut être grand aujourd'hui et disparaître demain, s'il n'est pas connecté à Dieu. Fonctionner sous les cieux ouverts, les finances personnelles, les finances d'entreprise, la dîme, les offrandes et les pratiques de l'Alliance, et vous aurez un futur assuré. Félicitations. Au sommet seulement, c'est là qu'est votre place. Au sommet seulement, c'est là qu'est votre place dans les approvisionnements surnaturels. Où est votre place Au sommet seulement, c'est là qu'est votre place. Prenez ce message, réécoutez-le de nouveau. Une fois que Dieu vous a parlé deux fois, Prenez-le pour un ami, même un ami qui est dans les affaires. Donnez-lui ce message, ou à quelqu'un que vous connaissez qui touche de l'argent, mais il semble que l'argent ne reste pas dans ses mains. Donnez-leur ce message, et je crois que nous entendrons votre témoignage. Utilisons les trois prochaines minutes pour appliquer ce message. Levez vos mains et remerciez Dieu pour sa parole. Honorez-le, adorez-le, louez-le. Élevez votre voix et parlez, que votre voix soit entendue. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, élevez vos mains partout où vous êtes et dites, Père, je viens à toi aujourd'hui et je reçois ta grâce et ta miséricorde pour faire ta volonté. Merci pour la parole que tu m'as adressée aujourd'hui, au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans la vision des approvisionnements surnaturels. Aide-moi, Seigneur, à avoir une attitude de gratitude et d'appréciation. Aide-moi, Seigneur, à surmonter la tentation. Aide-moi, Seigneur, à éviter une vie de gaspillage, une vie de dépenses. Aide-moi, Seigneur, à maintenir la discipline du grenier ou des greniers au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à avoir une vision d'investissement et à ne pas gaspiller ma vie dans les dépenses. Aide-moi Seigneur à maintenir un ciel ouvert, la discipline des pratiques financières du royaume. Aide-moi Seigneur à marcher dans cette sagesse au nom de Jésus. Continuez, levez vos mains et votre voix et remerciez Dieu, parlez à Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Nous avons traversé le mois entier de l'approvisionnement surnaturel. Je décrète aujourd'hui que toute malédiction de pénurie, de manque, de désobéissance, de pratique anti-alliance et tout ce qui pourrait vous maintenir les mains vides par la puissance du sang de Jésus, je déclare la malédiction brisée au nom de Jésus-Christ. Je déclare la malédiction brisée au nom puissant de Jésus. Je décrète que vos mains seront suffisamment bénies. Ce qui vous appartient viendra à vous, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Que Dieu vous confirme qu'il est votre pourvoyeur, qu'il est un rémunérateur au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je parle à cette communion en accord avec le livre de l'Apocalypse au chapitre 5 et au verset 12. Le sang a assuré notre bénédiction et notre richesse. Disons d'une voix forte, digne est l'agneau qui a été sacrifié pour recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. Alors que nous prenons la communion ce soir, le corps et le sang de Jésus, je décrète la transmission d'approvisionnement surnaturel, la puissance d'atteindre et de conserver la richesse, les biens, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction, qu'ils soient déversés sur vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre vie, je déclare que cela est expulsé de votre système au nom précieux de Jésus. Partout où vous êtes ce soir, si vous avez besoin de vous rendre à Jésus, si vous voulez que vos péchés soient pardonnés, si vous voulez marquer un nouveau jour pour vous, si vous dites, Pasteur, j'ai entendu la parole, mais je sais que la meilleure chose que je puisse faire maintenant est de donner ma vie et moi-même à Dieu. Je veux donner ma vie à Dieu. Je veux que mes péchés soient pardonnés, je veux que ce jour marque un nouveau jour pour moi. Je sais que si je regarde l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'écoutera pas. Partout où vous êtes, approchez vous. Ne prenez pas encore la communion, tenez-la simplement. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Si vous êtes toujours assis et que vous voulez qu'une addiction soit brisée dans votre vie, ou un mode de vie négatif, quelque chose qui ne vous rend pas heureux, s'il vous plaît, avancez ici. Si vous voulez arrêter de fumer, de boire, arrêter la vie de débauche, la prostitution, la masturbation, le vol, la tricherie, la drogue ou le cannabis, quelle que soit la chose pour laquelle vous savez que Dieu n'est pas content de vous, venez devant et nous allons prier pour vous. Merci pour le sang de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, honneur à ton nom, adoration à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Mettez votre main sur votre poitrine et dites après moi, Seigneur Jésus, je suis un pécheur qui a besoin de ton aide. Viens dans ma vie et fais de moi une nouvelle personne. Aujourd'hui, je décide de te suivre, Seigneur, et je ne veux pas retourner en arrière. Toujours en avant, jamais plus en arrière. Aide-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour vous et je déclare que le joug du péché est brisé dans votre vie. La grâce de vivre pour Dieu est libérée sur vous et votre moisson est libérée au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, j'appelle sur vous l'aide, la miséricorde et la grâce de Dieu au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Élevez à présent cette communion et parlez au Seigneur. Demandez-lui de briser ce que vous voulez qu'il brise dans votre vie le joug qui doit être brisé et la libération que vous devez recevoir. Élevez votre voix et parlez à Dieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ, recevez la force, l'aide, la sagesse, les richesses, l'honneur, la gloire, la bénédiction, et par-dessus tout ce qui a été prêché ce soir, soit transmis dans votre vie. Que toute maladie

Allez-y maintenant, prenez cette communion et recevez la transmission et la communion de la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Be released in the name of the father another son another holy ghost the lord bless you keep you cause his face to shine upon you and be gracious unto you in jesus name